Là, il m'a dit, en Kafouïnéne, là, il m'a dit, on t'a prévenu, tu n'as pas compris. Djamfa, Amaï, trahison, c'est pas bon. Te voici maintenant. Ils ont lu le courant partout. Là, il m'a dit, toi-même, tes marabouts que tu as fait venir, on te dit qu'il n'y a pas de solution. Là, il m'a dit, tu as fait venir des marabouts partout. Hé, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne joue pas avec le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom de Dieu, là, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Là, il m'a dit, ce qui est bon, là, c'est ce qu'on fait avec le nom de Dieu. On ne fait pas trahison, on ne trahit pas son bienfaiteur et compte sur les marabouts et dit le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. La famille, ils ont déjà dit, c'est marabout lui-même, ça ne va pas. Si vous voyez qu'il est en train de tout mélanger à l'heure, là, parce que lui-même, il sait, il va emballer tout le monde. Mais le message que j'ai pour les soldats patriotes, attendez, partagez, je vais faire écouter les gens, son discours, la dernière fois, pour que les militaires eux-mêmes ils se réveillent. Voilà, écoutez. Hein. Nous voulons rassurer tout le monde. Ok, attendez. Attendez, je vais bien augmenter le volume pour que vous allez écouter. Il n'y aura aucun esprit de haine. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent. Il n'y aura aucun esprit de haine, ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas ou sorcière. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen. Les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Le comité entend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières élevées pour assurer la continuité de la production. Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières. Il rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. Bon, ça c'était le discours des bandits le 5 septembre. Le discours des narcos le 5 septembre. Vous avez écouté? Il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Il n'y aura pas de haine. La boussole de l'Aïmadi jusqu'à présent, ça ne tourne pas. Hein? Son marabout, il a appelé les marabouts partout. Et les marabouts disent que non, que ça ne va pas tenir. Là, il m'a dit aujourd'hui, je vous ai dit, il y a combien de personnes? Où est Lion Bangoura? Où est Lion Bangoura aujourd'hui? Monsieur Sacrifice, il est gardé avec eux là-bas, au palais là-bas. Hey, tous les proches de Laïmadi, là, ils sont allés voir partout. On attend le jour seulement. Les soldats patriotes, je vous ai montré cela pour vous dire, lui nous a dit les raisons du coup d'État. Gabégie financière, c'est rentré, c'est sorti. Aujourd'hui, comment le pays est géré? Il y a quelle transparence? Hey, n'hésitez même pas, tapez. Le bandit doit sauter. Tapez sur ces bandits-là, ils doivent partir. C'est deux choses. Le retour du professeur Alpha Condé, le retour à l'ordre constitutionnel. Ou en tout cas, d'autres soldats patriotes. C'est fini. Allez, il a quoi, Dieu, quoi l'a traduit, dit au non. Aujourd'hui, vous avez peur au sein de l'armée aujourd'hui. La méfiance est totale. Le bandit, actuellement, il n'ose même plus sortir de son palais. Toi, tu viens, tu t'attaques à tout le monde. À l'opposition. À Elias Seloudale, à Sidi Atouré. Oui, c'est vrai qu'ils étaient opposés au professeur Alpha Condé. Toi, tu viens, le RPG, ton bienfaiteur. Là, il m'a dit. Il a ban, en signé, en y'a oulé ma corolla. Oui,
Tu as vu maintenant, tu appelles tous les marabouts. Help. Les gens sont en train de souffrir. Tu as humilié le professeur Fakonde. Tu as humilié ton bienfaiteur à cause de, à cause de l'intérêt de tes amis narcos. Wallahi, Alata Kinyefeu. Alata du ton honneur. Ta méchanceté là, c'est ce qui te suit aujourd'hui. Tu penses qu'avoir la force et gérer un pays, c'est la même chose? Tu penses que c'est la démagogie? Tu penses que c'est la démagogie? Tes marabouts, ils t'ont tous dit là-bas, et ça ne va pas. Oui. Ils t'ont dit la vérité. Tiens. Douaouti, Inala Douaoutania, fouille. C'est le peuple aujourd'hui qui pleure. C'est le peuple aujourd'hui qui a faim à cause de toi. Tiens. Tu étais là à vendre ta drogue. C'était pas mieux de partir en France? C'était pas mieux de partir? Bon. Charles Wright. Voici encore un petit bandit qui est là aussi. Un vrai bandit. Hey, Charles Wright, Ali Touré, on est au courant. Hein? Les maisons que vous achetez en Espagne, là, maison c'est moins cher. Et il n'y a même pas de complications. Si tu vas pour aller finaliser ton affaire de maison aussi en Espagne, on est au courant. Dans ta lettre, quand tu dis que tu pars pour te soigner, que non, il n'y a pas de frais. Toi, tu as quel argent? En Occident, là, on sait les hôpitaux, combien ça coûte. Tu prends les Guinéens, toi, tu parles de transparence. Toi, tu as quel moyen? L'hôpital Donka est fini. 70 millions d'investissements grâce au professeur Alpha Condé. Toi, tu vas chercher quoi en Espagne? Tu as qui là-bas pour te prendre en charge? Charles Ray. On est au courant. Vos transactions, vous passez par les marchés noirs, et le deal que vous faites avec ce, je ne sais pas, soi-disant, Krief là, vous tombez sur les anciens dignitaires, vous les soutirez de l'argent, les cash, nous sommes au courant. Beaucoup parmi vous ont acheté des maisons en Espagne. Nous sommes au courant. On n'est pas pressé. On vous a dit votre transition là, c'est bien fait. Vous avez lancé des poursuites contre tout le monde. Et c'est pour vous qu'il va venir. Les militaires patriotes, notez tout. Des bandits comme ça là, Congaï, je vais me soigner. Pas de frais, sans frais. Toi, tu as quoi? Toi, tu avais quoi? Un bandit. Même ton billet d'avion. Tu avais quoi, Charles Ray? Tu vas aller te soigner en Espagne, cadeau? Tu as la sécurité sociale? Tu vivais en Espagne? Un ministre qui va se... Même Nancy Pelosi, ici, là. La présidente des démocrates, ici, là. C'est pas cadeau, c'est quelqu'un qui paye. Qui va payer pour toi? Tu prends l'argent où? Vous jouez avec l'esprit des Guinéens? Non, je voyage pour des soins médicaux, sans frère. Des bandits comme ça. Maison que vous êtes en train d'acheter en Espagne, on est au courant. Si tu veux aller voir ta maison là-bas, d'ici pour te préparer, pour sauter aussi, on est au courant. On est au courant, ce gouvernement-là. Combien de... Regardez, c'est-à-dire vous-même, vous êtes des prisonniers de l'Aïmadi. Si vous voyez qu'il faut des autorisations, les directeurs, tout le monde, parce qu'il sait, rien n'est bon aujourd'hui. Il y a d'autres même qui sont là-bas, tout est gâté. Il y a d'autres qui ont cru que non, c'était du beurre. Ils sont rentrés dedans maintenant. Il y a problème pour sortir. Il y a des ministres qui ont demandé. Il faut qu'ils vont même se supplier, mentir pour dire « Je suis malade, je suis comme ça » pour sortir. Vous êtes des prisonniers de l'Aïmadi. Un bandit comme ça faire un coup d'État, vous étiez content aux démocraties. Un narco qui était... C'est-à-dire un bandit qui était au service de la nation, qui trahit son bienfaiteur et vous étiez là qu'au troisième mandat. Vous avez vu la différence? De quoi le professeur était capable pour la Guinée? Des bandits comme ça, des narcos viennent pour supprimer des emplois. Et vous êtes là qu'au nord c'est rentré. Les aigris, vous allez parler. Ousmane Kaba, tu la fermes. Un menteur comme toi. Toi, tu as fini avec tes histoires de 330 milliards. Ousmane Kaba, tu as fini avec ton histoire de 330 milliards. Des étudiants fictifs. Tu as vu maintenant qu'ils ont mis le feu derrière toi. Tu as fui pour aller te coucher à Bamako. Et tu es là encore, tu parles de nos cadres. Regardez le dossier de Dr. Kassori. Ils ont parlé, il n'y a rien. Tu entends les Mohamed Mara de Espace. Vous êtes des juges. Qu'on que Dr. Kassori avait dit, il a des entreprises. 2009, quand il a dit ça. Mais pourtant, on dit que c'est la gestion, les trucs là. Tellement qu'ils sont embrouillés. Ce n'est pas sur des preuves palpables maintenant, des dossiers de détournement. Non, qu'on il a dit à la télé qu'il a entreprise. Même si tel était le cas, il n'a pas le droit de dire. Moi, Damaro, je ne dois pas dire que j'ai une entreprise. Si j'ai un Magbana et je n'ai pas d'entreprise comme ça. Si j'ai un taxi, je n'ai pas d'entreprise. Mais tellement qu'ils sont embrouillés,
Ils ont fouillé nos anciens dignitaires, il n'y a rien. Maintenant, il dit tout ce qui est sur leur compte de virer parce qu'il n'y a rien. Des bandits comme ça là. Vous pensez que hein, les Guinéens ne vont pas se réveiller? Les gens sont conscients. Aujourd'hui, c'est fini. Les autres militaires, tout le monde au courant aujourd'hui. Là, il m'a dit, est en conflit avec tout le monde. Là, il m'a dit, en train de forcer la situation. Là, il m'a dit, on attend seulement le jour, ça va péter. C'est fini pour là, il m'a dit. Un bandit comme toi, tu vas venir humilier ton bienfaiteur. Qu'au braka de qui l'est fait? Mon braka, que tu fais? Mon braka de qui fait? Le professeur n'a jamais... Ahmad Blaye contre la Donkere, il t'a rien fait de mal. Et tu te gonfles sur ça. Même son salaire, 11 ans. 11 ans de président. Quand l'État soit petit, où tu es flanqué aujourd'hui au palais, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Ni Dankatiko. Toi, tu dois poursuivre le professeur Alpha Condé, là, il m'a dit. Ni Dankatileko. Ni Eslana, ni Maloyala, là, il m'a dit. Il est quelqu'un qui a plein de blabla, professeur. Quoi. Il a Sababou. Tu étais légionnaire. Tu es venu, Idi Amin t'a mis là. Il t'a fait confiance. Il se vantait de toi. Ni Dankatileko. Il est quelqu'un professeur, toi, tu vas parler de poursuivre. Toi, les maisons que tu as, les étages, les bâtiments que tu as là, le professeur a ça à Conakry. Hein? Attendez. Toi, le maudit là, Moussa Bandi là, toi, tu es bloqué, tu es banni ici, dans Kadé. Tes bâtiments que tu as aujourd'hui, des étages, est-ce que le professeur a ça? Les Guinéens ne sont pas bêtes, tu es en train de construire. Le professeur, lui, son souci, c'était pas de construire des maisons pour lui, c'était de développer les barrages. Combien de mégawatts? Là, il m'a dit, dans Kaliko, Djamfa, à la tête du Tononoro, à Procer Nyalalila, même les Seloudalais, qui étaient opposés au RPG, ils ont applaudi pour toi. Ils ont applaudi pour toi, mais tu as été ingrat envers Seloudalais. Le professeur Alpha Condé n'a pas fait sortir la Seloudalais de sa maison. Il lui a toujours tendu la main. Nkao le font que le professeur Alpha Condé, Dieu, Allah la kakala seke. Là, il m'a dit, dans Kaliko, Ibrahim, tu dors plus. Tu ne peux pas dormir. L'armée aujourd'hui, là, ils attendent. Le bon moment, ils vont frapper. Tu es mauvais pour ce pays. Tu es une honte pour la Guinée. Tu fais honte à la Guinée. Quand Amara, le vaurien, là, se flanque pour dire, oui, c'est toute l'armée. Quelle armée? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, c'est vrai que l'armée, il y a certaines choses. Ok. Toi, Boubacar Diallo, toi aussi, tu es banni sur cette page. Les maudits, là. Voilà. L'armée guinéenne n'a rien à voir avec le coup d'État. Si vous voyez que jusqu'à présent, ils ne donnent pas la liste, les narcos, les amis des bandits, parce qu'ils allaient tous tomber. Et le dernier voyage de Dr. Diané, Amara était avec Dr. Diané. Je vous dis, ils ont chéri ces gens-là. C'est des traîtres, parce qu'ils étaient dans les affaires louches. C'est pourquoi ils ont fait le coup d'État. Ils allaient tous tomber dans l'affaire de drogue. Amara, le dernier voyage de Dr. Diané, tellement qu'ils ont chéri ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de les humilier. Et ils sont incapables d'apporter le bonheur aux Guinéens. Ils s'attaquent à tout. Moi, je vous ai dit, quand vous m'avez appelé, Damaro, c'est la question. Je vous ai dit, c'est impossible. Vous ne pouvez pas enlever quelqu'un dans l'arène politique. Mais vous n'avez pas compris. Regardez aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Charles Wright, tu vas beau parler. Oh, l'argent, personne n'a confiance en vous. Cette justice-là, c'est fini. Vous ne pouvez rien dire aux Guinéens maintenant, les convaincre. C'était les trois premiers mois. Ceux qui ont applaudi pour vous, ils sont contre vous. Vous pensez que vous pouvez convaincre? Les médias, là, donnez-les tout. Il n'y a rien, c'est gâté. On attend le jour. L'armée se lève, c'est fini. Et c'est tout le peuple qui va sortir. Tout le peuple de Guinée qui va applaudir pour les soldats patriotes. Ou des bandits comme ça, là. C'est comme ça qu'on gère un pays. Alou Djamfantelou. Vous n'allez jamais voir le bon chemin. Jamais. Jamais. Voilà. Regardez aujourd'hui. Les militaires, tu causes eux-mêmes, ils disent, économiquement, il n'y a pas mieux que le professeur Alpha Condé. Ce qu'il a apporté à ce pays, le plan de report dont Dr. Kassouri avait fait pour aider, ils n'ont même pas utilisé l'argent. Vous avez menti sur lui. Le professeur n'a pas eu besoin de ça. Les 60 millions, Winnie Consortium, devait donner à l'État guinéen. Le professeur n'a pas touché à ça. Il avait confiance à l'économie guinéenne. C'est pourquoi il disait qu'on allait être la deuxième puissance après le Nigeria. Les pays francs, c'est-à-dire la France ne veut même pas entendre ça. Un pays indépendant comme la Guinée qui ne mange pas le franc CFA se développe mieux que la Côte d'Ivoire et les autres. Ils n'ont pas aimé.
On a organisé des élections avec des fonds propres. La route nationale, vous voyez, en cours. L'électricité. Ça, c'est avec l'argent des Guinéens. Eux, là, ils n'ont pas aimé ça. C'est pourquoi nous, on dit on ne compte pas sur la CEDEAO. L'armée guinéenne, on ne compte que sur vous, les patriotes. La CEDEAO, là, on ne compte même pas. Parce qu'il y a une jalousie. Le professeur a dit, coupons le cordon ombilical avec la France. Comptons sur nous-mêmes. Un bandit, un légionnaire, comme le professeur l'a dit, s'il avait vu le CV de ce bandit, n'eût été Namouri. Ou les bras d'Olier, là, souvent, regret d'Olier. Si le professeur savait que ce bandit-là était un légionnaire, il n'allait jamais être aujourd'hui à la tête. C'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Des bandits comme ça se lèvent, qu'on prend le pouvoir. C'est comme ça qu'on prend le pouvoir. C'est comme ça qu'on gère le pays. Des bandits comme ça, vous attaquez à tout le monde. Mais regardez-vous, même au sein de l'armée, vous avez tellement, il y a tellement de soldats patriotes aujourd'hui qui sont prêts à dégager ces bandits-là. On est pressé, pardonnez, accélérez un peu. Ça dit trop, c'est trop. Les Guinéens sont en train de souffrir. Les caisses sont vides. Il n'y a rien aujourd'hui. Les premiers mois, là, on vous payait le combien? Quand ils sont arrivés, le 25, le 26, l'argent était... Ça dit, il y avait l'argent. Tout allait. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez maintenant, vous retardez. Parce qu'il n'y a rien dans les caisses. C'est ça la vérité. Winning Consortium, l'argent que le professeur n'a pas voulu utiliser, ils ont pris les 60 millions. Ils n'ont même pas mis dans les caisses de l'État. 60 millions de dollars. Le professeur n'avait même pas besoin. Parce que l'économie était à l'aise. Il est en train d'auditer tous les départements. Donc, même les cas de vol, les gens ne voient. Demandez les anciens ministres. Les deux dernières années, il y avait l'audit partout. Il y avait l'argent dans les caisses. Malgré les crises, l'économie guinéenne se portait bien. Parce que le professeur Fakonde, avec le guichet unique, beaucoup de choses. Les barrages étaient finis. Les bandits viennent que non, vous allez salir. Le professeur Fakonde, voilà, Dankar Laluko, c'est la malédiction qui vous suit. Parce que vous êtes des ingrats. Amara, directeur national de l'école militaire. Autant de dadis là, ils t'ont pas foutu, toi et ton papa en prison, pour l'affaire de drogue. Il est Bala, un tapissier comme toi. Tu étais qui? Toi, tu étais qui, Bala? Un tapissier, Kamambri Takadima, Kabon Takadima. Nko Dankar Laluko, malédiction. Malédiction. C'est vos enfants et vos femmes qui vont profiter. Malouba, Idi Amin, toi tu n'étais pas en prison. Tu faisais partie des premières personnes que le professeur a nommées. Directeur de cabinet au ministère de la Défense. Le budget ou quoi? Vous parlez de justification, de conneries seulement. La défense, l'argent qu'on vole là-bas. Parce qu'on ne fabrique pas, on dépense. Vous savez combien de milliards le budget? Il n'y a jamais eu de crise. Tout ce que vous avez demandé, le professeur Fakonde vous a donné. Il ne regardait même pas dedans. Docteur Diané est un civil. Vous allez parler de transparence, de corruption. Vous êtes les mêmes personnes qui étaient là. Toi, Doumbouya, on te donnait l'argent pour les forces spéciales. Vous allez nous dire quoi sur ces personnes-là? Ils vous ont chéri, ni dans Katalouko. Vous allez mettre Docteur Diané et les Damarons en prison. Vous allez parler de poursuites contre le professeur Fakonde. Au Danka l'alcool, c'est pourquoi vos marabouts, ils vous disent que non, à l'Ouattoli. Faut être dans ça là, vous allez partir. Regardez, elle laisse nous d'aller, soit militant, ils ne veulent pas de vous. Le RPG est frustré tellement qu'on est dépassé, notre propre fils nous humilie. Almiri à la commande, l'alcool. Kankate, ouais. Tu es en train de préparer ton voyage à Kankan, qu'ils sont en train de donner des kits. Allez, ouais, Kankan. Tam, la maison familiale est indexée. Quand les enfants t'es là, nous t'étais. Là, il m'a dit. Si Grinka lui aurait à la bomba, Ibra Omina Fanango Kaobla Kono. Ah, Ibra, Ibris Rijuru Tolaja Fanango. Ibris Rijuru Tolaja. Hein, Bill Gates. Ibris Rijuru, Ninyangbuya Titaï. Ninyangbuya Titaï. Ça va, très inimo minute. Et là, il m'a dit, t'es en Christoro. Il était en Christoro. Il a quoi? C'est que moi, je veux même pas que tu pars quoi. Je veux qu'ils n'ont qu'à t'attacher le jour que je vais venir en Guinée. Je vais aller te dire au moins. J'ai dit, ah là, il m'a dit, j'étais conseillé, go. Malgré que je ne t'aimais pas, j'étais conseillé. Ça, n'est pas au Foulignanais. Pour que je puisse, il ne faut pas qu'ils vont aller là, qu'on a tourné. Aller Cyril, ils doivent t'attacher. Nous aussi, là, on va faire le tour de l'autoroute. Toi, c'est Bambé Tono. Nous, on va faire le tour, aller remonter. Il faut en aller long. Kodjan Famaï. Regarde aujourd'hui, tout le monde a. Tout le monde, même ceux qui étaient contre le... Regarde, elle a celui-là, il l'a dit, elle, alliance. C'est que Fama l'a tiré Kafissa.
Si vous voyez que eux aujourd'hui, ils ont compris, ils font alliance, ils parlent ensemble aujourd'hui, c'est que Al-Kafisa Nile, Al-Baralondia, Kounouletoun Kafisa, il est bandit tchèkini, Simolou Kouna, Kambre Bayay, Kamolou trompé. Tromper les gens matin, midi, soir. Et regarde aujourd'hui. Tu sais, je t'avais dit, crâne rasé. Crâne rasé t'a poussé. Il t'a mis à dos. Mais crâne rasé, ça aussi, je vais te dire, Idi Amin, toi, ton coup d'état, on ne veut même pas. Tu es pire que là, il m'a dit. Mbrao Founyene, l'armée guinéenne, là. Si vous voulez frapper, là, tous ces gens-là, les Nyamanyama, là, ils doivent tous partir. Balaba, Amaraba, ils doivent tous partir. Vous savez, tous aujourd'hui, vous avez mal aujourd'hui, l'armée guinéenne. Donc, quand vous devez le faire, crâne rasé, Amaraba, Balaba, ces bandits-là, ils sont tous impliqués dans l'affaire de drogue. Si vous voulez nettoyer, nettoyez. Voici les quatre qui ont pourri notre armée guinéenne aujourd'hui. Les quatre-là, c'est eux qui ont pourri l'armée guinéenne. Ils étaient avec les narcos. Regardez les narcos aujourd'hui. Ils ont le dos large, ils décident tout aujourd'hui. C'était un instinct de survie, ces bandits-là. Alors, Irako, Aloutredi, Fisaya, Anna Massa, Prof. Alpha Condé. Et Fisri Lombalilou, Alman Miri Alama. Il vous a tout donné. Non, Yaya Kaba, mon frère, Mkouigné, Sarakata Lagoutou. Là, il m'a dit lui-même, c'est féticheur, c'est marabout, il a fait venir, il a fait des sacrifices. Hé, hey, Allah subhanahu wa ta'ala, même deux bandits, même, la trahison, Allah ne veut pas. La trahison, là, c'est ce que je vous ai dit au départ. Si Doumbouya était venu d'ailleurs, il était venu avec son groupe. Les forces spéciales, c'est qui? Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur de tout pouvoir, il va laisser un bandit comme ça faire ce qu'il veut? Non! Il a appelé les marabouts. Ils ont tout fait, tout. On dit non, monsieur, Athéna Bena. Si vous voyez qu'il est en train de gâter aujourd'hui, dire des poursuites contre le professeur Fakonde, il est désespéré. Il est désespéré. Même la sœur du professeur qui est décédée en 2014. Tout ça, le monsieur, il est désespéré. Regardez son visage. Moi, mon visage, le 5 septembre et le général de maintenant, par rapport à là, il m'a dit, qui est au pouvoir, qui est au palais, qui a tout, l'argent, tout. Mais il est malheureux parce qu'il ne dort pas, sa conscience. Il est désespéré. Il n'a confiance à personne. Regardez comment ils sont en train d'éliminer les jeunes. Petit Diané, Kouyaté, Cabinet Traoré, et souvent qu'on vient de... Il y a quelques jours de cela aussi, qu'il a abattu. C'est qu'il est désespéré, il n'a confiance à personne. La dernière fois, il est sorti dans la cour là-bas. Vous savez, maintenant, il dit aux gens de ne pas porter les masques. Il sort, il regarde le visage des gens. Je ne sais pas ses yeux étaient rouges. Il ne reconnaît pas des gens. Paf, il fuit encore, il rentre dedans. Tellement qu'il a peur. Il a peur. Regardez son voyage en Sierra Leone. Une heure seulement. Paf. Donc, je vous dis, rien ne va. Rien ne va. Seulement, on attend l'action des soldats patriotes. Yeah. L'action des soldats patriotes pour mettre fin à ce cinéma-là. Toi, tu peux t'attaquer à Selouda et ses militants. Tu humilies Selouda, hein? Tu le fais sortir de chez lui. Tu arrases sa maison. Tu rases sa maison. Et tu attaques les jeunes de Bambeto. Ça, on met de côté. Le professeur Alpha Condé, les élections, il y avait une année de cela seulement. Nous qui avons mené campagne pour le FAMA, hein? Nous qui avons mené campagne pour le FAMA, il y a une année de cela, Moussa Koroba, même ta maman, là, il m'a dit. Même ta maman, Ina, ta maman a voté pour le professeur Alpha Condé. Hein? Là, il m'a dit. Il est ma maman, là, malheur à Foué. Même ta propre maman, les élections passées. Ta maman a voté à Cancan pour le professeur Alpha Condé. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Toi, tu viens au Conor et puis tu te gonfles sur ça. Tu ne cherches même pas à te racheter. Hein? Parce qu'il est désespéré, cafard. Tu ne vas pas détruire notre armée. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, l'armée guinéenne n'a rien à voir dedans. L'armée guinéenne n'a rien à voir avec le coup d'État. Namouri les a tous vendus. Les gens ont eu peur. C'est Namouri qui a vendu tout le monde. L'armée n'avait rien à voir dedans. L'armée a voulu éviter. Mais ils ont compris maintenant. Ils ont compris que oui, la solution, c'était le professeur Alpha Condé. Oui. Ayeke professeur Yeba, Ayeke Mogbre. Mais là, il m'a dit les kakakawa. Là, il m'a dit, nala mon anioué. Les bandits, là, Amara, Idi Amin, crâne rasé.
Je t'ai dit, il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver, crâne rasé. Parce que tu as ça déjà en tête. Tu l'as rendu impopulaire, tu lui as dit de faire certaines choses. Aujourd'hui, là, toi, tu n'as aucune chance, crâne rasé, oublie Kuno. On veut des soldats patriotes, pas des bandits comme vous, pas des complices des narcos. Pour que ce pays-là aille de l'avant, il faut qu'on se débarrasse de tous les narcos, comme les dadis ont fait. C'est pourquoi ils ont accéléré pour humilier les dadis, pour humilier les tchogros. Parce qu'ils les ont matés. Parce qu'on les a matés à l'époque. C'est pourquoi quand je vous dis, procès du 28 septembre, c'est du blabla. Si notre dadis ne plaçait pas, il devait être condamné pour le mettre en prison. Mais vous voyez, tout ça, là, ils sont contents. Et Crâne Rasé est content, Amara est content, parce qu'ils ont mis son papa en prison à l'époque. Donc c'est pourquoi ils sont contents aujourd'hui de voir dadis. Comment des bandits peuvent... Hein? Des bandits peuvent juger des gens. Aujourd'hui, vous parlez de tout ça, là. Pour vous, c'est flagrant. Vous êtes en train de construire à ciel ouvert. Les narcos sont à Conakry aujourd'hui, partout. Demain, s'il y a un autre gouvernement, là, pour vous, là, c'est pas pire. Mais comme vous avez mis en tête que vous allez éliminer tout le monde. Ah ouais, c'est là-bas. Comment, tout le peuple. Vous connaissez les militants de l'UFDG. Vous connaissez les militants du RPG. Vous connaissez les militants de Sidia. La société civile, FNDC, tous ces gens-là. Des bandits comme ça, là, qu'au Aldi Sekola. À la banto tiennement. Hé, professeur Makalade. Mkwa Makala o a Makala. Agnala l'alma. Kaladia kakobeke. Dans Katano, quand il y a professeur Toedi. Hansaya, agnafe. Hansaya, en table. Attendez, vous avez l'argent, vous avez tout. Et regardez aujourd'hui. Il y a quelle communication pour vous? Il n'y a rien. Même les journalistes, ils vont défendre quoi? Même les journalistes, là, ils vont défendre quoi? Est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable? Vous utilisez la force dans tout. Vous intimidez les gens. Vous avez fait mieux que le professeur Fakonde. Vous avez créé combien d'emplois? Vous avez réduit les dépenses des Guinéens? Le panier de la ménagère actuellement. Vous avez changé quoi? À part même les travailleurs de l'État, qu'au de 8h jusqu'à 18h. Des guignols comme ça. Là. Des guignols comme ça. Toi, le ministre de la fonction publique, tu es incapable de donner de l'emploi. Tu viens te flanquer Kongaï, que maintenant pour aider le pays. Si tu veux, même, il faut dire qu'on travaille jusqu'à minuit. Ça va changer quoi? Des comédiens comme ça, des guignols. Prenez des tocards un peu pour les mettre dans l'administration. Un gouvernement de stagiaires. Que donc, pas de recyclage. Un tonneau qui dit qu'il n'y a pas de recyclage. Donc, Charles Wright, comme je vous l'ai dit, nous sommes au courant de votre jeu. Ce que vous êtes en train de faire, nous sommes au courant. Voilà. Nous sommes au courant de tout. Voilà.